Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Surtout n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. La petite cloche, hein, tu sais, c'est obligatoire. Ouais, obligatoire. C'est important. C'est important les gars. Donc on attend un petit moment. Parce que je sais qu'il y en a qui hésitent. Hein. Ça fait plusieurs fois que tu regardes la vidéo, mais tu n'as pas souscrit. Donc on attend un peu. C'est bon? Ok, bon, passons directement au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexandre Corro. Une machine de guerre. J'aime bien comment tu m'introduis. Non, c'est une vraie machine de guerre. Bon, il représente tout le successful. Tu vois le nom, Framework, ah, successful. Pas encore. C'est pas suffisant. C'est jamais suffisant. C'est suffisant. On veut tout. Non, mais t'as raison, mon gars, t'as raison. Donc, Alexandre Cormont, qui a... Bah, tu peux dire un petit peu tes business, parce que peut-être les autres n'ont pas vu une précédente vidéo qu'on a fait. Ouais, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs les précédentes vidéos. Mais du coup, j'ai deux activités, à la fois du coaching en amour, développement personnel et une activité de mentor business. Mm-hmm. J'ai deux équipes, une à Paris, une à Miami. Donc, je suis installé aux États-Unis depuis 3 ans maintenant. Yes. Et voilà quoi. J'ai pas mal bossé sur le trafic organique. Bon, ce sera le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc je vais pas spoiler. On est parti. Ça marche. Donc du coup, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est poser les questions aux personnes qui ont déjà une très bonne réussite hein, dans le domaine, surtout du business en ligne, un peu du coaching, consulting, et voir un peu. Parce que les gars, ils ont commencé il y a longtemps. Tu vois, et parce que tu as commencé en 2007, si je ne me trompe pas. 2007, c'est ça. Ouais. 2007. Et aujourd'hui, si jamais devait tout reprendre à zéro, par où il commencerait? Qu'est-ce qu'il ferait exactement? Pour dire la première chose que je tiens à dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer. Mmh. Parce que le marché, il arrive vraiment à maturité dans le sens où chaque personne qui regarde cette vidéo peut aujourd'hui vivre de sa passion, de son expertise, de son activité, de X ou Y, vous l'appelez comme vous voulez. Juste, vraiment, le marché, il est beaucoup plus mature. C'est-à-dire que si je faisais ce que j'ai fait aujourd'hui en 2007, ça ne fonctionnerait sûrement pas, en fait. Le marché a pris beaucoup plus de maturité. Ah ouais, d'accord. Donc, je pense que ça, c'est important de le préciser. Parce que effectivement, moi j'ai commencé en 2007, donc j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de notions de web marketing qui deviennent de plus en plus démocratisées. Donc si je devais reprendre depuis 2007, si je devais recommencer à zéro, je pense que j'aurais un double développement. Je garderais mon expertise numéro une qui est le trafic organique. Mmh. Donc tu vois, sur ma chaîne YouTube, on est bientôt à 600 000 abonnés, j'ai plus de 20 millions de visiteurs sur mes sites internet, ce qui me permet d'avoir en fait plein de ressources sans avoir besoin d'utiliser la publicité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le tunnel de vente, comme on l'appelle, donc après il y a plein de définitions possibles, l'important pour moi c'est, je pense, d'utiliser les webinaires, les webconférences qui sont aujourd'hui des outils hyper importants, d'ailleurs tu l'utilises également. Mmh. Mais en fait, je mettrai en fait en place un plan en deux étapes, le trafic organique, optimisation de ma chaîne YouTube, et je me concentrerai que sur YouTube. D'accord. Et dans un deuxième temps, je ferai un tunnel de conversion où en fait, j'irai proposer ma publicité au plus grand nombre intéressés, qui ont un profil intéressé par une publicité. Je proposerai un webinaire. Alors, si c'est sur l'amour, ce serait pour trouver l'amour. Si c'est sur le business, ce serait pour faire grandir son entreprise. Si c'est sur la confiance en soi, ce serait pour prendre confiance en soi. Je ferai un webinaire parce que les gens sont connectés et en fait, ça permet de se développer le plus rapidement possible, ce qui n'était pas le cas en 2007. En 2007, il fallait écrire, tourner des vidéos, même pas des vidéos, il fallait vraiment écrire, c'était le blog à l'époque. Hein. Ok, d'accord. Ok, donc là, si jamais tu devais reprendre à zéro, tu partirais sur de l'organique, c'est ça? Je ferai les deux. Je ferai et organique et tunnel de vente. Ouais, je ferai les deux en même temps. Et est-ce que tu écrirais des articles ou pas? Non. Non, ce que je conseille aujourd'hui, c'est simple, c'est de faire une vidéo. Tu prends le son, ça devient un podcast. Tu le fais transcrire, ça devient quasiment un article de blog. Tu as quelqu'un, une assistante qui peut revoir, apporter des règles SEO. Mais je vois en fait, si tu veux, c'est vraiment été dans mon développement personnel, dans le sens où en 2012, 2013, 2014, j'avais plus d'un million de visiteurs chaque mois sur mon site. Mmh. Et c'est monté du coup maintenant à 20 millions de visiteurs par an. Donc ça fait 1,2 millions de visiteurs par mois. Mmh. Et jamais on m'avait reconnu dans la rue. Jamais. Et quand je suis arrivé à 20, 30 000 abonnés sur YouTube, on a commencé à me reconnaître dans la rue. Et j'ai pris conscience qu'en fait, YouTube, il y avait une connexion émotionnelle qui était beaucoup plus puissante qu'un article en fait. Donc, je dénigre pas l'article, mais je dis si on devait recommencer à zéro, je ferais YouTube. Je prendrais la vidéo, le son, je le ferais transcrire. J'améliorerais un petit peu l'article et c'est tout pour l'instant. D'accord. Le baromètre, en fait, pour que tu puisses juger, ce que tu dis, si jamais les gens t'ont reconnu dans la rue, c'est qu'il y a plus de contacts. Ouais, je pense qu'il y a eu… Alors, si tu veux, c'est pas le fait d'être reconnu dans la rue, mais c'est le fait que j'ai senti que les gens me reconnaissaient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une connexion émotionnelle. Par écrit, tu vas lire quelque chose, mais quand tu as le visuel, tu as l'énergie de la personne, tu as son visage, tu es captivé, tu vas regarder une, puis deuxième, puis troisième, alors qu'un article, c'est peut-être un peu moins personnalisable.
D'accord. Donc, je miserai à fond sur YouTube aujourd'hui. Et en fait, en faisant une vidéo, tu peux tout faire, puisque du coup, tu transcris en podcast, tu transcris en article, tu peux utiliser le texte et en faire des posts sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc moi, c'est un système que j'ai automatisé. Aujourd'hui, je fais une vidéo et puis boum, ça balance partout, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que t'as, du coup, tu as constaté plus de ventes venant de tes vidéos YouTube ou plus de ventes de tes articles? Je dirais que c'est kiff-kiff quand même, parce que les articles, on a cette notion de, comme YouTube, mais plus sur les articles de trafic chaud. On a des personnes qui ont tapé, par exemple, je sais pas moi, comment réussir son business sur Internet. Ouais. La personne, elle est motivée, elle a envie. Ouais. Donc, que ce soit sur YouTube ou sur Google, il y a quand même un prospect qui est tiède. Donc, les ventes, elles se font. D'accord. Maintenant, c'est vrai que sur YouTube, ça m'a permis de capitaliser et de développer mon entreprise. Donc, j'étais à un certain niveau. En passant sur YouTube, j'étais au niveau supérieur, quoi. Ah ouais, carrément, d'accord. Donc en gros, là, donc, tu repartirais sur de l'organique, donc précisément sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles, parce qu'il y en a qui disent, il y en a qui font une vidéo par semaine, enfin, qu'est-ce que tu conseilles, toi? Tu sais ce que je conseille, je vais conseiller une vidéo par jour. Je conseille une vidéo par jour parce que je pense que c'est ce qui fait que l'algorithme il va fonctionner, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous développer le plus rapidement possible. Donc, je conseillerais vraiment de faire une vidéo par jour. Je conseillerais de bien l'optimiser. Il y a des notions de web marketing, de référencement sur YouTube qui sont hyper importants. Et si tu me permets, j'ai une formation là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, on pourra faire un lien entre les deux. Mais voilà, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font plein de vidéos qui me disent, mais mec, je comprends pas, j'ai fait 10 000 vidéos. Enfin, 10 000, ça fait beaucoup. J'ai fait peut-être 100, 200 vidéos, je suis pas positionné. Oui, parce qu'il y a des règles spécifiques. Et d'ailleurs, on a regardé ta chaîne ensemble. Mmh. Et c'est souvent dans l'ordre du micro-détail qu'on arrive à avoir une évolution. Mmh. Et donc, le choix des tags, le choix des mots, enfin des mots-clés, le choix de la description, etc. Et surtout, l'ordre aussi va jouer. Donc, il y a des micro-détails comme ça qui sont importants. Ok, d'accord. Et pour toi, aujourd'hui, YouTube, ça, c'est le, c'est, comment dire, c'est, on arrive en fin de... C'est le début. Pour toi, c'est le début. Le début, ouais, pour moi, c'est le début parce qu'il n'y a pas beaucoup de leaders dans chaque marché. Tu vois, peut-être le marché de l'immobilier est un peu plus concurrentiel aujourd'hui, le marché du business en ligne devient un peu plus concurrentiel, le marché de l'amour a toujours été concurrentiel, mais YouTube permet encore, quand on trouve un bon positionnement, une bonne niche, d'être très rapidement visible. Et il y a des personnes, peut-être que tu l'as vu aussi au travers de tes expériences, ils ont des chaînes YouTube qui sont très très faibles en termes d'abonnés, mais ils font déjà des revenus suffisants pour ne pas avoir de patron, voire même qui dépassent les 10 000 euros. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas que le nombre d'abonnés ou le nombre de vues qui compte, même si c'est vrai que c'est important. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a un trafic qualifié. Et donc du coup, en fait, pour moi, YouTube devient le début. Notamment ici aux États-Unis, moi j'utilise maintenant YouTube TV, ça veut dire que dans mes pubs, généralement c'est de la pub YouTube maintenant qui vient pendant que je regarde mes programmes télé à la télé, quoi. Ah, donc ouais. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer comme ça. Google va dominer le monde parce qu'il faut pas oublier que YouTube c'est Google. Donc pour moi c'est qu'une suite logique. Et un domaine sur lequel j'ai vraiment pas encore d'expérience, mais j'aimerais bien me prolonger. Enfin c'est sur dans ma vision pour ouais. aller vraiment attaquer un marché, c'est sur Amazon, parce qu'Amazon ici c'est aussi, déjà je pense qu'en France ils sont big, mais alors à Miami c'est un truc de dingue. C'est à dire que tu peux pas passer, même Whole Foods on a été faire nos courses, ouais. c'est Amazon, ils ont acheté Whole Foods, et Whole Foods c'est un peu le côté bio américain tendance, etc. Donc tout ça pour dire que YouTube, Google, Amazon, ce sont des outils, et Amazon il y a du référencement aussi dessus, c'est comprendre l'algorithme en fait qui est très important. Et dans tous les cas c'est que le début, YouTube c'est vraiment que le début. Donc il y a de la concurrence, mais comme pour tout, tout a déjà été fait dans notre monde, faut pas s'arrêter à parce qu'il y a de la concurrence, j'y vais pas. Il y a de la concurrence, tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché, on fonce les amis, on y va et on va vivre de sa passion. Ah ouais, d'accord. Et donc du coup là, si j'ai bien compris, maintenant les pubs de YouTube passent à la télé? Ouais. Ouais, c'est-à-dire que moi, quand je regarde des films, maintenant, j'utilise YouTube TV. Ouais. Les pubs que tu vas avoir, c'est des pubs que c'est YouTube qui encaisse. Mais j'ai des marketeurs qui passent sur ma télé maintenant, en fait, hein, du coup. Wow. Donc ça, c'est des systèmes. Après, je pense qu'ils sont en train de faire des tests, ils sont en train de voir comment vraiment. Et puis, ils se basent sur ce que toi, tu regardes sur YouTube. Donc, si moi, je regarde des vidéos de marketing, forcément, ils vont mettre un marketeur. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, YouTube va contrôler. Les gens vont regarder moins la télé et regardent YouTube, ici aux États-Unis. YouTube TV. YouTube TV, mais même YouTube. Donc, je te montrerai si tu veux, mais en gros, c'est clair et précis, c'est aujourd'hui YouTube est l'avenir, quoi. C'est le présent et c'est l'avenir, pour le coup. Ok, donc du coup, bon, clairement, alors, pouvoir monter une entreprise vraiment et pour toi, si tu veux repartir à zéro, donc c'est créer ta chaîne YouTube, optimiser, évidemment, parce que se former, parce que apparemment, voilà, si jamais t'es pas bien optimisé, tu peux faire 200 vidéos et... Ça sert à rien. Et je pense que ça, c'est l'erreur qu'on fait. C'est, tu vois, je pense que du coup, je répondrai aussi, j'ai oublié de dire ça, mais si je devais repartir, je prendrais deux coachs. Je prendrais un coach en web marketing.
et je prendrais un coach en business, gestion d'entreprise, gestion comment manager mes finances, comment investir. Le mindset, moi j'ai eu de la chance, j'ai un peu toujours eu, donc le côté high ticket ou en tout cas ne pas avoir peur, j'ai toujours eu. Mais si vous l'avez pas, bah n'hésitez pas à passer par Joe, parce que c'est trop dommage de s'arrêter en si bon chemin alors qu'il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Nous on est là depuis longtemps. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé avec le saxo? 2016. 2016. Ouais. Donc ça fait quand même plusieurs années. En fait, on a passé par tellement de problématiques que si vous ne faites pas aider, bah en 2050, vous serez encore à regarder des vidéos parce que l'enjeu est quand même web marketing, l'enjeu est très business, l'enjeu est très mindset aussi finalement. Donc je prendrai des coachs aussi. Je ne perdrai pas de temps parce que j'ai galéré pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je ne vivais pas de mon activité parce que je ne comprenais pas les enjeux. J'étais meilleur coach, mais je n'étais pas visible. Et du coup, je n'avais pas d'offre, on appelle l'offre irrésistible aujourd'hui. Je n'avais pas ça, j'avais rien. Et j'avais fait le plus beau site internet. J'avais dépensé mon argent dans un site qui était magnifique et qui m'a rapporté walou, quoi. En tout cas, c'est clair. Bah, pour les gens en tout cas, qui voudront aller plus loin et se lancer, on mettra en lien de description ta formation sur YouTube. Ok, cool. Bah, merci en tout cas pour avoir partagé tout ça. Merci. Cool. Bah oui, mais moi j'ai appris des choses dans. C'est bon ça, c'est bon à chaque fois. Bah oui. Là c'est cool, c'est donc, cool. Voilà, c'est toujours un plaisir de te voir. C'est un bon gars, Alexandre. Merci. On aime sa transparence. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À commenter, d'accord. Et un j'aime pas parce que t'es un rageux. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés.